Mesdames et messieurs, mes compatriotes haïtiens, très chers, fidèles et abonnés de la vision en action, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Est-ce que nous, dans le dernier temps, qui signe, qui caractérise dernier temps, qui tâche, qui mission, qui promesse l'Église là? Est-ce que c'est évangélisation? Qui est-ce qui l'Église là exactement? Question en pile moun a posé, question en pile moun répond tout, mais y a pile moun qui pas satisfaire à ensemble de réponses. Y a une série de mouvements qu'a fait en dans l'église là. Est-ce que l'église là gen mission, gen promesse, gen vision pour mode de mouvement ça? Qui forme l'évangile qui t'a dû prêcher dans un pays tant que pays d'Haïti? L'évangile du royaume, du salut, la prospérité, d'abondance, miracle, sinon un évangile de valeur humaine, de développement, maître de soi, dans sa croyance. Pour qui ça dans pays pauvre, Satan, le diable, est le premier coupable, responsable de la misère, la méchanceté, la maladie. Depuis yon moun malade, Haïti, c'est diable kap manjil. C'est vanni kay diable. C'est yon mauvais esprit yon voye sou li, qui fait le fou, qui fait la misère. Gen lot moun ki ta di, homme de Dieu, c'est yon l'esprit bo yo, yon voye sou li, pou yon fait le pauvre, pou yon fait le pas jamanye. Pendant, environnement nou, ça n'a pas respiré, pollué, empoisonné. Tout ça n'a pas fourré nan bouche nou, empoisonné. Tout ces poisons yon gen la dan yon. Dieu est principale source d'absorption, résolution problème. Parce que yon fait nous connaît, c'est à travers yon groupe organisé ou yon individu quelconque ou abjouen bon Dieu pour tenter et de résoudre problème yon. Et Dieu ça a, li pa travail gratuit. Faut offrir yon bagay ki rare, yon bagay ou poko jam offrir à aucun moun. Ou karele l'action rare, offrande Salomon, pour ne citer ça yo seulement. Gen moun ki di, bon Dieu gen problème ak moun kap volé, a fè moun. Mais, même mon Dieu sa, pa gen problème ak sa moun nan volé, ou kapote l'bay bon Dieu, pour le faire travail bon Dieu. En tout cas, ces questions a pese et pose pour nous comprendre. Est-ce que yo pati nan langage haïtien yon? Si tu es plus que volé, même si ou pas connaît moun sa, c'était volé, mais depuis ou bay accès pour tout moun vin offri, vin pote, sa yo genye, la caille bon Dieu, gen possibilité ou même pour faire complice. Est-ce que c'est pas vrai? Comment chercher bon Dieu? Qui côté bon Dieu y est? Qui action nous doit poser pour bon Dieu révéler à nous-mêmes? Soit intrometté dans problème nous yo. Est-ce que jeune 40 jours investi bénédiction bon Dieu bon nous dans une seule action rare au potel bay yon seul moun qui plausibilité bon Dieu joigne dans mode mouvement sa yo? Ces questions a essayé poser. C'est vrai, bon Dieu Jésus l'Esprit Saint qu'a choisi délivrer yon moun l'élevé dans quel que soit ça l'a fait, dans quel que soit ça l'a connu comme problème, dans n'importe quelle circonstance. Mais est-ce que c'est un geste hors du commun pour moun ça a fait, pour attirer cet esprit, pour attirer compassion bon Dieu, miséricorde bon Dieu? Sinon, c'est disposition foi li, connexion avec Dieu, parce que Jésus toujours dit, dans tout miracle, dans tout monde ni guéri, c'est la foi qui sauve ou, c'est la foi qui guérit ou. Mais merci, li pat kon accepté, nan men aucun monde. Évangéliste Joseph Kenold pa fèl polémique, ni attaqué aucun monde nan mouvement y a fait. Nan réponse y a bay l'autre pasteur, yo estime ki attaqué probité yo soit intégrité yo. Mais qui fait le cohérent avec sa Bible a dit pour essayer aider un pile monde qui a soif comprendre la vérité?
parole qui dans Bible. Est-ce que c'est cet esprit qui révélait évangéliste Joseph Kenold Sayo, sinon sous base de connaissances guidé par cet esprit, orienté par la foi, les trois éléments constitutifs de l'évangile de Jésus-Christ. Tout écoute, bien cher évangéliste Joseph Kenold. Ayant l'apparence de la mais régnant ce qui en fait éloigne trois, il y a des signes en 1 Timothée chapitre 3, des signes qui caractérisent la fin du dernier temps, les thèmes scatologiques du dernier temps. Donc, apôtre Shaoul, n'approche scatologique, Léon, l'étape enseignée à son jeune Timothée, des signes qui doivent le caractériser. Donc, dans les versets 5 de Timothée, chapitre 3, l'apôtre enseigne à Timothée que il y a des hommes qui auront l'apparence de la piété. Ils ont couvri d'une attitude extérieure, mais à l'intérieur, ils n'ont pas ça vraiment. C'est-à-dire, des hommes qui doivent prendre l'évangile pour faire couverture, mais au fond, cap régler cause pa yo, cap chercher des éléments qui pour nourrir ventre yo, qui pour nourrir poche yo, mais loin de la sanctification. La loi de la sanctification n'est pas priorisée vraiment, n'est pas priorisée. Dans le verset 6, il dit que il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Donc, en ces temps-ci, comme l'apôtre a déjà dit, il y a ceux qui sont aveuglés par les dieux de ces siècles qui les empêchent de voir la splendeur de l'évangile. Donc, au Baloué, dans le temps, ça, où il y a, comme les mystères de l'iniquité, il a la page, l'esprit d'égarement qui couvrit les assemblées locaux. Donc, gagne une série d'activités qu'ap fait. Alors, activité ça y est. Apôtre Shaoul, si là nous connaît son nom Paul, mais Vatican ba non le son nom Paul pour faire les bases, les basiliques de Saint Paul. Dans l'église catholique de Rome, Saint Paul. Mais ça veut dire personnage là c'est un hébreu sorti de la tribu de Benjamin. Il parle Paul mais il relé apôtre Shaoul. Ma gétan vini sou bagay sa yo. Donc activité sa yo en Éphésiens chapitre 5 les versets 11e, il dit et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamne-les. Donc, apôtre là, il y a les activités ça qu'a fait dans l'assemblée locale yo, ou bien l'assemblée locale yo, des activités infructueuses, c'est-à-dire des activités qui papotaient aucun fruit. Yo papotaient aucun fruit. C'est-à-dire qui ça? Yo pas gagné yon base scripturaire, yon pa gagné yon fondement
spirituel bien fondement scripturel. Donc l'église là li pat appelé pour participer nan activité sa. La tâche suprême de l'église nous joignons ni dans Marc chapitre 16. Allez de toutes les nations faites des disciples. Aussi, dans la grande commission en Matthieu, chapitre 28. Allez de toutes les nations faites des disciples. C'est-à-dire, la tâche suprême de l'Église, c'est l'évangélisation. Pas d'autre activité. L'évangélisation. Donc, pas d'autre activité. L'évangélisation. Donc, en Timothée, second livre de Timothée, chapitre 3, apôtre l'a caractérisé tant, fin temps, par des signes. Dans les versets 7 de Timothée, chapitre 3, il dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la certitude. C'est-à-dire, connaissance pour l'église là, consommée, il pas jamais rien. Il pas jamais rien. C'est-à-dire, ou à vivre nos temps, ou après, les zombifiés, yo là, y a applaudi les opprimés, yo scandalé les opprimés. Yo châtié les opprimés, yo persécuté les opprimés, kap goumé, mais kap bataille, kap fait tout ça qui dépend de yo, puis yo fait comme, yo fait l'argent, yo bat bravo pour yo, yo mettez yon en position, yo la seigneurie. On ne va pas parler de vérité, ou pas ka, en sorte, comme si, révéler, ou bien, comme on te ka dit ça, parler des bagay moun a fait qui mal au travers l'évangile. C'est dans le même contexte ça. Yahushua Mashiach, il était cloué parce qu'il était venu pour faire lumière sur ça pas clair. Ou vient arriver longtemps, tout le monde qui fait lumière sur ça qui pas clair, sur ça qui pas droit, il crucifié, il poussé dehors, il mettait au dehors dans l'assemblée, pas de place pour yo. Assemblée. Mais tout ça yo apôtre l'ont dit en dit. De même que Jean Bresse et Jannès s'opposaient à Moshe, c'est-à-dire à l'évangile, de même ces hommes s'opposent à la certitude étant corrompus d'entendement. Réprouvés en ce qui concerne la confiance. Ça qui pour mener moun à la sanctification n'est pas base assemblée n'est pas base du moins activité qu'a fait là yo. C'est parce que me venu sur question jeûne des prières dans les versets 9 de Timothée chapitre 3 mais ils ne feront pas des plus grands progrès qu'à leur folie sera manifesté pour tous, comme les filles, celles de ces hommes. Parce que Malory, Laurent, les prêcher, les enseigner sur question femme, pas qu'à pasteur. Pasteur Job Fénelon, dans Aougans, tout de suite, il mettait un ministère des femmes. Non, pas des femmes qui ont un ministère, mais femmes qui ont un ministère. Accompagné des maris. Femme là, les gens ministère à la maison. Pour le prendre soin les enfants, pour le prendre soin des maisons. Parce que les gens ne peuvent pas dire que ça le fait là, c'est cet esprit, esprit de l'homme qui aspire le ça. Non. Nulle part dans la Bible. Isaac fait, apôtre là, il dit à son jeune Timothée, sache que dans les derniers temps,
Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, armés de l'argent. Et c'est ça qui a fait actualité dans la jeune de prière. Il y a tout type de compte pour nous déposer l'argent, pour nous contribuer électroniquement. Que ce soit mon n'a fait partie assemblée, que ce soit le pas fait partie assemblée, l'attendez sur les ondes de la radio ou bien de la télévision, les cas participer, les cas bail offrande, les cas bail dîme. Mais ça qui fait actualité qu'on y a. Et c'est ça actuellement qui base jeune de prière qu'on y a. Pas oublier, moi te dis jeune de prière, jeune non, par définition, l'essayons privation de nourriture. Et jeûne nan li volontaire. Elohim pa jam mande moun pou fè jeûne. Non. Elohim reproche moun de péché. Lorsque li voyait Nathan vers le roi David après avoir que David tombé avec Bathsheba, David frappé par un sentiment de culpabilité, d'affliction, d'angoisse, privé de paix, privé de joie, David allait dans les chines. À tel point, dans les psaumes 51, David dit dans sa prière, dans sa confession, n'aimerais-tu pas de ton esprit, pas retirer l'esprit ou non moins. Dans un contexte, David dit que même les où t'apprends royauté pas retirer l'esprit ou non moins car sans l'esprit moi pas rien moi ca roi moi ca grand bishop moi ca grand évêque mais si l'esprit ou pas dans moi moi capable commettre des choses les plus abominables et David te roi. Il était tombé dans adultère avec Bathsheba. Laisse ça, l'esprit, cet esprit, l'esprit d'Elohim t'est écarté. Ça veut dire qui ça? David dit que, moi, t'as toujours, mais depuis l'esprit, pas dans moi, m'a toujours fait erreur. Moi, t'as toujours tombé dans des agréments. Moi, t'as toujours fait des choses honteuses. Et donc, pas retirer l'esprit ou non, moi. Même si t'as pris un royauté, par retirer l'esprit dans moi. Ça qui fait mon serviteur Elohim, c'est l'esprit Elohim qui est pour nous. Ou ka roi, ou ka président, ou ka grand bishop, mais on pas jamais ami d'Elohim. Ou pas jamais une relation avec Elohim. Qui donc? Jeune nan qui te sentiment de deuil, sentiment de culpabilité, d'affliction, mais qu'on y a l'évin transformé dans l'aspect commercial. Get tout type de compte pour mon déposer comme au cas gêné sur les ondes. Mais non, je n'ai pas gain aspect ça. Donc, gain assemblée qui fait programme de jeunes chaque année pour faire qui ça? Or, j'en ai dit là, lycée y a un sentiment de culpabilité. Maintenant, il y a l'église qui fait jeûne d'Esther. Esther est gênée pour yon but. Quel but? Lorsque le peuple juif est en danger dans la province côté où tu es trouvé à Babylone, soit Alta Selzer, juif yon en danger. Pendant Esther apprend que juif yon en danger, dans les billets de Mardouché, pendant Esther étant réprouvé d'un sentiment de chagrin, Esther stressé, les vins privés de paix, les vins privés de résoudre crise, ça, Esther fait un appel avec les Juifs, puis elle gêné, puis elle détourné l'épée suspendue qui te voulait à tout prix exterminer les peuples juifs. Mais pour qui ça, Esther est gêné? Maintenant, qu'on y a là, question m'a posé. L'église, yon assemblée, yon kap fait, gêne d'Esther de nos jours. Nan ki bu. Nan ki bu nous fait. Nous fait chaque année.
Esther te fait yon froid pour détourner épée ça. Mais nous-mêmes nous faisons chaque année dans kibu nous faisons. C'est parce que jeune il perdit sens li, il perdit en plein li. Pour être qui ça? Pour yon gain. Pour rentrer cob. Parce que de nos jours l'idée yo yo animé par yon démon yo lé. Maman qui c'est un esprit de la cupidité, un esprit avarice qui fait moun chercher l'argent dans toutes circonstances pour yo riche. Pendant l'église yo pauvre spirit. Il dit avec son jeune Timothée 6 les versets 9e, il dit mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. Qui donc? L'amour de l'argent. Léon n'a besoin de l'argent, le besoin de cob. Lorsque sanctification pas priorité en relation avec n'importe qui monde. Li ka mené n'importe moun sou chair, n'importe moun ka gen mikwa, même n'el pa gen relation avec Elohim, li ka gen mikwa. Depuis le gen l'argent, il ka parler nan mikwa. Pourtant, ou ba loué au sein des assemblées, gen moun ki sanctifié tout bon vrai, yo pa jamais gen accès à mikwa parce que yo pa gen l'argent. Ta kon chita nan assemblée, al gen provision pour assemblée. Mais l'pa gen l'argent. Mais on prédicateur qui sorti bien loin. Par le fait qu'il gagne l'argent, il n'est pas même en relation avec Foyil. En pile, nèg kap poche l'oeil konya, c'est nèg qui divorce. Malgré le divorce, il a toujours gagné mikwa. Peut-être qui ça, il gagne l'argent. Parce que il connaît qui gens pour sensibiliser pep zombifia pour le bail l'argent. Parce que nèg yo fort dans ça, il gagne talent dans ça. Il gagne pile talent pour motiver pep là pour le bail cob. Et pep là toujours été pauvre spirituellement. Yo pa konn Elohim, yo pa konn l'évangile. Yo pa gen connaissance de la certitude de l'évangile. C'est parce que gen yon foule docteur qui là pour ça. Qui pou vinn mande mais ki jan pou yo bay dim, mais ki jan pou yo bay offrande. D'ailleurs l'église pa n'entend dim encore, pa gen dim encore. Yo série de dimeurs, pa gen dim encore. Ki chaque moun bay selon résolution cœur yo, pa gen dim encore. Tete le style, tout est accompli. Offrande volontaire. Ou bien selon cœur. Mais sachez-le bien. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui moissonne grandement, récolte grandement. Moun qui bat en pile, a besoin en pile. Après récolter en pile. Moun qui bat peu, après récolter peu. C'est là l'esprit de la parole. Nous noyons l'esprit de la parole. Peuple là, privé de l'esprit de la parole, li par contre la parole. T'es un coup de fou. Comme si son peuple ka bay l'argent pour joindre délivrance. L'argent pas ka délivrer. Comment? Li pense l'argent le position royal li. Te ka le fait purifier de lèp. Mais pourtant, il est désinamment plongé cette fois. C'est l'humilité là. C'est l'humilité. Gen moun ki toujours bay gros offrande nan jeune, gros dim nan jeune. Moun nan konn nan jeune a tout enveloppe li. Gou l'argent, li pense que c'est ta cap guéril de orgueil, guéril de sida, guéril de maladie incurable. Non. Ou besoin humilité pour guérir des maladies ou là. Qu'est-ce qu'on attend de là? Qu'est-ce qu'on attend de là? L'argent n'a amant belle rivière dans pays pas de ca guéril de leplan, mais elle te besoin humilité. Qui s'abaisse s'élève et qui s'élève sera abaissé. Voilà. L'esprit des chaînes. Voilà l'esprit des chaînes. C'est là l'esprit jeune naïe. L'humilité. Quelle humilité vous fasse? En toutes circonstances. Fa. Pour qui ça y a eu sa fa te gêné? Et pour qui ça assemblé ou toujours fait yen Joseph? Touré par trois armes. Trouve dans la peur. Moi te dis, jeune nan, c'est expression de peur. Eh bien, Yosafat se trouve dans la peur, dans la solitude,
dans l'inquiétude, privé de joie, privé d'onction, privé de paix, yo sa fa aller dans les chaînes. Pour la exprimer la peur, pour exprimer la privation de joie. Y a qu'à ciel rempli de l'esprit. De là étant, l'esprit d'Elohim voyait réponse ba yo sa fa, mais ça pour le faire. Amen. Et pour qui ça jen yo sa fa yo dans l'église yo de nos jours. Sept tout de Jéricho, jen. De Gishekina, 2014, yon programme de jen. 10 ans yon programme de jen. Constance. Jen nan pa jam yon programme, yon occasion. Mon de disa, roi Ninive, li recevra, message de la repentance. Jen de Naaman, jen d'Esther, sept tout de Jéricho, jen de Yosafa. Est-ce que l'église doit dans rituel ça yo? Est-ce que l'église capable dans rituel cultuel? Rituel cultuel qui pas gain rapport avec l'église. Il y a au choix mourir, il ressusciter. Il y a au choix n'est pas avec nous. Il y a au choix est en nous. L'espérance de la souveraineté. L'espérance de la gloire. Cet esprit dans nous, cet esprit habité dans nous, nous pas qu'à attrister tout le temps. Nous pas qu'à attrister tout le temps. Chaque année pour nous faire jeûne. Pourtant, au fond, ça n'a pas offert peuple et pas allié. C'est comme qu'a fait, c'est l'argent qu'a ramassé. Mais est-ce que comme qu'a délivré au peuple? Spirituellement? Non. L'argent pas qu'a délivré au peuple, yon moun qui tombe en bas péché spirituellement. Seul ça capable racheter un monde dans les péchés, c'est le sang de Machia. Lorsque vous confessez le sang de Machia, vous rachetez du monde des ténèbres. Mais somme, comme vous n'avez pas qu'à laver ou des péchés, seulement le sang versé de Yahushua qui est capable de laver le monde, de transformer en business. Un aspect commercial. Je n'ai pas dit appeler ça. Il aura une trois de ces hommes-là. Il aura une trois de ces hommes. Parce que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la confiance. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien. Mais comment on fait? Est-ce qu'on fait l'argent honnêtement? Ou pas qu'on prend l'évangile comme pont pour faire l'argent dans n'importe quoi? Nous faisons l'argent, nous faisons les potes pour nous contribuer. Nous ne pouvons pas être convertis, nous ne pouvons pas être la sanctification. Depuis le bail, nous enseignons théologie chaldéenne depuis qu'on propre. Comment pour qu'on nous fait propre si la loi de la sanctification n'est pas priorisée? Comment pour un monde faire propre si la loi de la sanctification pas possédé? Comment pour un monde faire propre si la loi de la conversion pas possédé? Nous apprenons depuis qu'elle propre, qu'elle ou pas qu'à propre si la loi de la sanctification, la loi de la conversion, la loi de la régénération pas priorisé. Jeune nan, nous besoin comprendre jeune nan. Elohim ba jam voye moun al gêné. C'est moun qui senti sentiment de gêne. Yo senti un sentiment de gêne. Yo tombé dans l'affliction. Yo senti état pauvreté spirituelle yo. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume de Shamaïm est à eux. Oui, c'est là jeune. David était un pauvre en esprit. Adassa Esther, en tant que reine, était une pauvre en esprit. Position, malgré le témari avec quoi, pas qu'à échapper, peuple juif là, de l'épée, de la fureur, de Amman. Mais vous êtes plongé dans les gènes, puis vous montrez comment vous triste. À cette triste nouvelle, comment vous privé de joie, de paix. Et bien, vous êtes plongé dans les jeans.
jeune n'a pas l'argent, jeune n'a pas danser, jeune n'a pas aucun aspect d'adoration, aucun aspect de louange, aucun aspect de contentement. Parce que être dans les jeunes, c'est être trouvé dans les chaos, dans les tovarou. C'est là le sens des jeunes. C'est pour moun qui gen oreilles pour tande. Puis capable comprendre ça l'esprit dit avec l'église là. Qui c'est qui ont des oreilles entendre ce que l'esprit dit aux églises. À ne pas oublier. Nous sommes à l'ère de l'église de la Rodicée. Yon l'église qui prétend nigerat de toutouni. Yon l'église qui prétend j'ai le calé, mais l'aveugle. Il y a l'église qui prétend les riches, mais le pauvre. C'est pour nous tendre ça, l'esprit dit, avec l'église là. À bon entendeur, salut. Shalom aleichem. Merci, évangéliste Joseph Kenold. Nous espérons tout le monde tendre et comprendre. Et toutefois, bien bagay ou pas comprendre. Au lieu de lapider, au lieu de jurer, au lieu d'injurier, offenser, on pose des questions. Gentiment, comme moun qui a bien séance, moun qui lucide, moun qui a raison, moun qui civilisé, bien entendu. Comme ça, nous allons résoudre la différence nous, sans ou pas besoin rabaisser aucun. Tout moun, qu'a positionné, qu'a posé une question à qui au monde, qu'a fait une bagarre, que yo même, yo pas ouais dans Bible, que yo même, yo pas comprendre, que yo même, yo pas qu'au recevoir révélation pour ça, yo qu'a toujours posé question sous lui. Moun qui joue une révélation, li qu'a choisi répondre. Li ka choisi pas répondre. Li ka continué fait appel parce que c'est à lui même bon Dieu parler. Mais puisque ça l'a fait pas biblique, puisque li pas christique, l'autre monde ka toujours posé la question à tout respect, à toute sagesse. Li ka dénoncé tout, bien entendu, mais à réserve, parce que bon Dieu, pas suspend bon Dieu. Bible parfait, bon Dieu prévisible. Dieu est un Dieu imprévisible. Et l'imprévisibilité de Dieu fait de lui quelque chose incompréhensible. Aucun monde pas qu'à comprendre bon Dieu, n'entend, n'a circonstance li, n'a action, n'a détermination, n'a parole li, n'a révélation, n'a choix. Peut-être ça. En pile fois, la Bible proportionne tout monde ça, tout ça ou pas comprendre ou poser question sous lui. Mais qu'en pile monde tout qui choisit faire abstention, qui choisit faire silence, n'a ça ou pas comprendre. Gen moun kal pose bon Dieu question, kal parle ak bon Dieu. Gen moun dou, puisque yo campé sous la Bible, yo gen connaissance de la parole, yo gen l'esprit bon Dieu en dan yo, yo gen la foi kap guide yo, eh ben, yo toujours ka fè yo, yo raison de positionnement, yo ka positionne yo à poser question. Merci encore à ou même qui pral commenter. On pas fait nous fanatiques, aucun monde, mais on fait nous amis bon Dieu, aucun monde. Ou ka remet parole pasteur là, ou ka remet parole prophète là, ou ka remet apôtre là, mais pas remet plus que bon Dieu. Pas remet l'église ou plus que bon Dieu, plus que parole bon Dieu. Ou ka toujours déçu de pasteur. Il y a plein de monde qui déçu de pasteur yo, pasteur yo. De ces voyous. Il y a des gens qui quittent l'église, ils ont été remis en pile là. Il y a des gens qui
détesté pasteur, yo te remé en pile là. Yo te qu'on a juré pour lui. Yo te un bon jour, pasteur la fait honte, pasteur la déceptionné. Mais bon Dieu, pourquoi j'aime déceptionner yon moun? Ou ka dépatienté à tant bon Dieu, parce que tant bon Dieu pas tant pas. Ou ka pas comprendre en quelque sorte. Ou ka faire marche arrière dans bon Dieu, parce que ou même ou trop pressé, ou besoin problème ou résoudre plus vite ou faire l'autre chemin, mais à coup sûr autant marquer bon Dieu a résoudre problème pas là. Toutefois retenez, bon Dieu pas décevoir, mais ou gon effort pour faire, ou gon bagaille pour faire. Yon moun rete yon moun, yon moun rete yon être qui faible, qui très faible, yon être débile, yon être soupçonné, ou ka toujours déçu, ou ka toujours décevoir. Le wap defon yon gren moun. Mais ou même qui chrétien, qui gen conviction fondée sous bon Dieu, sous Jésus-Christ, qui gen cet esprit kap guide ou en dan ou, an pa fè nou objet pou nou defon yon gren moun, soit dit dans son pasteur, son homme de Dieu. Mais an defon parole bon Dieu, an defon Jésus-Christ. Vision en action.